Madame Issé, bonsoir. Merci au PSUIV, ça a zone à la bantite. Piste d'atterrissage dans Agalégal est complétée à 85%, la jetée 77%. C'est un élément d'information fourni par Premier ministre Azodi dans l'Assemblée nationale. Grâce à ban taxe, le produit pétrolier fin recueilli à 8 millions de roupies pour financer ban subvention, le ban produit essentiel, déclaration ministre des Finances dans sa réponse à PNQ. 8 projets qui pour capable zéné à ban investissement plus qui 4 millions de roupies en cours analyse, retombée principale participation Maurice pendant Dubaï Expo 2020. Sa baisse dans pourcentage semaze à Côte Maurice fin connaît une baisse de semaze 10,4%. Au quatrième trimestre de 2020 à 8,1% dernier trimestre 2021. Et Deo la récile au banc la scène internationale après ban faux soupçon crime de guerre dans l'Ukraine. Bienvenue, madame, ici dans sa zone. La piste d'atterrissage dans Agalégal est complétée à 85% et jetée à 77%. Une partie des bons travaux pour bien compléter d'ici la fin de l'année et qu'elle reste à la mi-2023. Bon élément, information fournie par Pravin Jognet Azodi dans l'Assemblée nationale pendant transe des bonnes questions réservées à Premier ministre. Une question supplémentaire, député Boulel, chef gouvernement, fin déclaré qu'il les fins toujours de l'assurance qui s'abanne infrastructure là sous contrôle total des bannes autorités mauriciennes, à savoir l'aviation civile et que Mauritius Ports Authority. Gouvernement dirigé par Premier ministre Pravin Jugnauth finit toujours privilégier l'humain et la protection de la population face à beaucoup de chocs externes. Ministre des Finances qui peut répondre à PNQ en sa mardi dans l'Assemblée nationale souligne aussi que le gouvernement travaille sur plusieurs options pour continuer à soutenir le pouvoir d'achat des bannes consommateurs. Les finances qui ban mesures préconisées par leader l'opposition dans ce PNQ fait des apportis des bannes 700 propositions qui fin recevoir pendant une consultation pré-budgétaire. Sa bonne proposition-là est actuellement à l'étude. Renganaden Padayachi fin aussi a indiqué que grâce à une taxe prélevée, le produit pétrolier 8 millions de roupies fin capable de recueillir pour financer une subvention, le produit essentiel. Claudette Geoffroy Gadevadou. Avec ban chiffre à l'appui, ministre Finance fin énumère ban différents mesures qui fin prend pour soutenir la population pendant crise sanitaire. Une politique à trois niveaux pour surtout préserver l'emploi. Tibizin, selon Renganaden Padayachi, maintenir ban capacité production, éviter ban faillite et prévenir ban défaut de paiement. Après pandémie, le monde entier peut subir aussi de plein fouet ban effet la guerre en Ukraine. La hausse taux inflation, c'est un phénomène mondial, selon lui. Un groupe de travail penche déjà le ban effet de sa deux chocs externes là, et pour continuer à soutenir le pouvoir d'achat ban mauricien, gouvernement peut étudier plusieurs options et ban consultation pré-budgétaire peut continuer. Nous avons d'ores et déjà reçu plus de 700 propositions qui sont actuellement à l'étude. Un certain nombre de pistes et propositions discutées au cours de ces échanges ont directement pour objectif de maintenir le niveau du pouvoir d'achat à Maurice, comme l'a suggéré le leader de l'opposition. Je persiste et signe, notre gouvernement, ce gouvernement sous le leadership du Premier ministre Pravin Kumar Jagnauth, fera tout ce qui est en son pouvoir en tenant compte des marges de manœuvre actuelles pour protéger la population qui lui a accordé sa confiance. Dans sa réponse à PNQ, Renganaden Padayachi fin aussi brosse un tableau comparatif pouvoir d'achat population en 2008 à sa époque-là, selon ministre Finance, pays parti confronté à aucune crise mondiale. Il nous faut faire parler les chiffres qui dénoncent les injustices. Prenons l'année 2008, le taux d'inflation était de presque 10%, un taux déraisonnable à ce moment précis. Pourtant, malgré ce coup de massue sur le pouvoir d'achat, la compensation salariale n'avait été que de 8,8%. Ce taux peut paraître acceptable, Monsieur le Président, mais souvenons-nous qu'à cette période,
nombreux salariés ne percevaient que 1 500 roupies par mois. Plus de 50 000 chefs de famille recevaient un salaire de moins de 3 500 roupies par mois à cette période. Les pensionnés, eux, ne touchaient que 2 802 roupies. Pour chaque mesure, nous devons l'analyser, voir le coût et regarder comment on peut procéder. Parce que nous, notre philosophie reste, et je le redis, de protéger la population mauricienne, en particulier et surtout la partie, la population la plus vulnérable. Quand vous revenez sur les taxes qu'il y a sur les produits pétroliers, vous oubliez de dire que de l'autre côté, ce sont ces taxes qui ont permis de mettre 8 milliards de roupies sur la table pour les subsides. Gouvernement dirigé par Premier ministre Pravin Jugnauth finit toujours aux côtés ben Dimoun qui dans le besoin et qui continue de soutenir le pouvoir d'achat de la population, selon le ministre Finances. Ben travaux de samedi fin démarrer avec l'annonce speaker Souroj Dev Fokia concernant la réception et l'aide d'excuses député Shakil Mohamed qui t'y suspend depuis la chambre. Selon speaker, député Mohamed fin présente ce ben pli plate excuse et que fin démarre capable retrouve ce siège. Speaker fin affirmé qu'il sous suspension sorti depuis la chambre et c'est la chambre qui bisin prend sa décision là. Valérie Kali. Honorable members, since it was the House which suspended the Honourable Member from the service of the Assembly, I have no authority in the matter at hand, and I leave it to the House for appropriate action. Premier ministre, fin d'après Standing Order 17.3, présente une motion pour répondre à sa demande là. Mr. Speaker, sir, in view of your announcement of a receipt of a proper letter of apology, from the Honourable First Member and for Port Louis Maritime and Port Louis East, tendering his unreserved and unconditional apologies to the House, I beg to move that the Honourable First Member for Port Louis Maritime and Port Louis East be allowed to resume his seat with immediate effect. Seconded. Sa motion là fin secondée par député Prime Minister et qu'ensuite approuvée par une majorité. The eyes have it. Sergeant at Arms, please invite Honorable Shakil Mohamed to join us. Député Shakil Mohamed finit retrouve ce siège dans le Parlement. La piste d'atterrissage dans Aagalega est complétée à 85% et que la jetée à 77%. Une partie des bains de travaux pour bien compléter d'ici la fin de l'année et que les restes à la mi-2023. Un élément d'information qui fut fourni par Premier ministre Azodi dans l'Assemblée nationale pendant la transe des bains de questions réservées à Premier ministre. Un détail avec Sylvana Parimamon. À une question député Amir Mial au ban projet infrastructure qui peut faire dans Aagalega, Premier ministre in fait le point l'eau avancé ban travaux des principaux projets, une piste d'atterrissage et qu'un la jeté et non pour but améliorer connectivité aérienne et maritime avec l'île. In regard to the new airstrip project, I am informed that 85% of civil works have been completed. The remaining civil works related to the airstrip are expected to be completed by September 2022. Building works for the associated infrastructure are expected to be completed by January 2023, while communication and air traffic control equipment installation and commissioning are expected to be completed by June 2023. In regard to the jetty, I am also informed that around 77% of civil works have been completed so far. Works related to the associated infrastructure for the jetty project have been impacted by delay in movement of workers and are now due to be completed by April, May 2023.
Question supplémentaire, député Mia, ban agaléa in en crainte qui se poubisin quitte cette l'île. Pravin jegnet in répone qui zame in fin question de ça. Est-ce qu'il besoin fournir une caution plus qui 400 000 roupies si on vit à l'Agalega, l'interpellation même députée? Ça aussi, c'est pas le cas, d'après chef gouvernement. Député Boulel, qui en vit connaît si la piste d'atterrissage et que la jetée est co-gérée par une autorité indienne. I have always, first of all, said that those allegations are false. They are frivolous. And that I have always reassured the House that those infrastructural developments, once completed, I'm talking mainly of the airstrip and the jetty, they will be fully under the control of the authorities of the Republic of Mauritius, namely the Department of Civil Aviation for the airstrip and the Mauritius Ports Authority for the jetty. L'autre information qui est ressortie de sa tranche-là, NHDC lance un appel d'offres pour construction 50 la case à la fin de ce mois-là, projet pour compléter en juillet 2024. Un plan directeur 2020-2024 pour Agalega est préparé par le ministère logement en collaboration avec OIDC. L'IP établit une stratégie de développement durable à long terme pour améliorer la qualité de la vie ban agaléen. Pravin Jagnet est aussi cause de un projet qui compagnie Afghans Limited, contractée à la fin entreprendre, sous ce programme Responsabilité sociale d'entreprise. Zot concerne entre autres rehaussement ban infrastructure existant, fourniture d'élo, formation et la santé. Dans le titre, nous avons dit 8 projets qui sont capables de générer un investissement plus de 4 milliards de roupies en cours d'analyse. C'est une retombée principale de la participation Maurice pendant Dubai Expo 2020. Le ministre des Finances a fourni un détail pendant leur participation des délégués locaux pendant sa exposition. Pendant la séance, des questions réservées à un ministre aujourd'hui après-midi dans le Parlement. Nous écoutons le docteur Renganaden Padayachi. 18 pistes importantes ont été générées dans le secteur bancaire, l'hôtellerie et l'immobilier, les ports francs et la logistique et l'éthique. 8 projets sont déjà dans le pipeline de l'IDB pour s'installer à Maurice ou s'approvisionner à Maurice avec un montant d'investissement estimé à 4,5 milliards de roupies. En outre, plus de 15 000 visiteurs du pavillon de Maurice se sont inscrits pour visiter l'île en tant que touriste. Ce ne sont là que les résultats immédiats de notre participation à l'Expo 2020 de Dubaï. Je dois également informer l'Assemblée que lors de ma visite à Dubaï, j'ai discuté et obtenu un bureau gratuit pour 2 ans pour abriter le bureau de représentation de l'IDB dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï à Dera. Au milieu des géants de l'Expo 2020 de Dubaï, Maurice à maximiser ses efforts pour s'assurer que sa participation soit pertinente, significative et produise des résultats tangibles. Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dirigeant de Dubaï, vice-président et premier ministre des Émirats Arabes Unis, a visité le pavillon de Maurice. Et les pays ont également visité le pavillon Maurice. Nous sommes convaincus que la visibilité que nous avons créée pour notre pays au milieu de cette pandémie mondiale, portera ses fruits. Maurice Finconen baisse taux chômage de 10,4% à quatrième trimestre 2020 à 8,1% à dernier trimestre 2021. Environ 16 100 chômeurs de moins selon ban information bureau statistique. Ban raison principale de cela baisse-là qui est directeur adjoint statistique Mauritius Mukesh Dawunot qui dit c'est la rouverture des nouvelles frontières et recrutement récent 900 officiers dans services publics. Et afin de rehausser la situation économique dans Maurice, EuroCM, une société qui spécialisée dans la gestion de la relation client à distance et aussi externalisation sans appel depuis 17 ans, payroll d'environ 200 télévendeurs ou ban commerciaux. Nazia Kolachan donne un détail. Situation financière plusieurs entreprises dans Maurice fin affectée par la pandémie COVID-19, ce qui fin cause beaucoup licenciements ban employés pendant crise sanitaire. Cependant, avec réouverture ban frontière et assouplissement ban mesures sanitaires, l'économie fin reprend et ban entreprises peut recruter.
Ban chef fin démontré qu'il taux de chômage à Maurice fin baissé, passant de 10,4% quatrième trimestre 2020 à 8,1% dernier trimestre 2021, soit 16 100 chômeurs en moins. Sa tendance-là, il commençait, si vous guettez, à partir du deuxième trimestre, même deuxième, troisième, en conditions économiques pour améliorer. Donc, à ceci dit, avec réouverture de nos frontières, côté en plus opportunité de l'emploi pour Bandimoun. Et en même temps, nous sommes capables de dire, c'est dans le service civil, nous avons un recrutement pendant le trimestre qui nous est causé. Et là, c'est ça aussi qui contribue à la diminution du taux de chômage. Fin 2021, main-d'œuvre active à Maurice, les 554 800. Situation pour bien améliorer avec ban opportunité emploi dans ban secteur externalisation. Justement, Euro CRM Mauritius Limited, société spécialisée dans ce domaine-là, lance une campagne recrutement. Pour pouvoir soutenir nos croissances, nous recrutons en ce moment à peu près 200 personnes. Déjà sur le poste de conseiller clientèle. Ensuite, ban manager, ban superviseur, ban chef de plateau, ça c'est pour la partie opération. Mais à côté également, nous pouvons recruter pour nous ban équipe support, nous ban informaticien, plusieurs postes pour nous trois sites, soit à Moka, soit à Eben, soit à QRPIP. À noter qu'en 2021, secteur TIC et externalisation fin réalise une croissance 7% et fin contribuer au produit intérieur brut à hauteur 4,5%, ce qui fin fait lier un des secteurs activité plus prometteurs. Le cause tourisme, à cela avec sa relance, sa secteur-là qui fin bien commencé, pays fin accueillir plus que 70 000 visiteurs en mars, compte 55 000 en février. Comme on connaît, MTPA espère atteindre là-bas 1 million visiteurs jusqu'à la fin de l'année. Ben, l'initiative est multipliée pour augmenter visibilité Maurice à international et dans 9 blogueurs indiens qui actuellement dans le pays pour faire découvrir nos pays à de nombreux followers. Nous avons le lancement d'un plan destiné à une société corporate entities pour qui les ressources, les véhicules électriques, c'est CEB, Scheme for Corporate Entities Electrical Vehicle Charging, CEB, P-Envisage, considère ban demande des ban entreprises, incluant ban PME qui n'a un compte actif électricité pour ressources tout ban type véhicule électrique avec 4 la roue et sous ce plan-là, les pour procéder à la connexion un maximum 10 MW installation photovoltaïque. Ben, ce qui concerne, bien soumettre the demand avec ben document nécessaire à Customer Service Centre CEB à partir 11 avril. Maya Lutchman de nous en détail. Avec prix carburant qui papé arrête augmenter le marché international, et n'a ben les autres alternatives à ben véhicules qui roulent avec carburant. Plusieurs incitations budgétaires fin mettent en place pour encourager l'utilisation de véhicules électriques, plus économiques et écologiques. Dans un premier temps, c'est ban propriétaire véhicules électriques qui sont autorisés à installer un système photovoltaïque qui pas dépasse 10 kW pour recharge ce véhicule et exporte surplus vers le réseau CEB. Désormais, ce plan-là peut être étendu à 20 entreprises. Nous avons alloué pour ce projet une puissance totale de 10 MW avec un système PV ne dépassant pas 10 kW par véhicule. Le CEB, pour acheter l'énergie qui va une compagnie là pour produire, à 3,73 € le kilowattheure. Et bien sûr, dans sa scheme-là, nous pouvons donner certains incentives. Parmi ces incentives-là, CEB pour participer à 50% des frais de l'extension du réseau. Par contre, CEB peut offrir l'équipement qui peut mesurer l'électricité vendue sur le grid. Ban entreprise intéressée qui déjà une ban chargeur électrique ou qui peut envisage pour installer, sont capables de faire cette demande à partir 11 avril, formulaire à remplir avec l'accord de connexion disponible sur le site web du CEB.
Nouvelle déo dans sa zone, la 40e jour, la guerre dans l'Ukraine. L'ONU peut ouvrir une série d'enquêtes pour évaluer si la Russie fin perpétrer un crime de guerre dans le pays. Président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui peut dénoncer un génocide, pour exprimer en sa mort 15 avril pendant une réunion Conseil de sécurité. L'ONU, la ville Boucha, lui vin un symbole martyr qui fin subir par un Ukrainien après la découverte d'une dizaine de corps et qui paye sous les socs la Russie, lui peigné tout ban impliqué. Nouvelle étoile Stella Banias, sorti l'est, puis influence des temps locaux pendant la nuit. Prévision pour une période nuage pendant la nuit et demain matin avec banaverse, l'eau la moitié est de l'île, l'eau nord et terrain élevé. Il y a aussi ban risque, l'orage qui est capable de faire ban accumulation de l'eau dans certains endroits qui inondable. Température minimale prévoyant 20 et 22 degrés, l'eau plateau et 23 et 25 degrés, l'eau la côte mi-couvert qui pouvait nuage au cours de la journée avec ban averse. L'eau partie est de l'île et Cloban hauteur. Température maximale voyée entre 25 et 27 degrés. L'eau plateau central est entre 29 et 32 degrés. L'eau littorale dit vent soufflé depuis secteur est à environ 30 km par heure avec ban pointe qui atteint 50 km par heure dans ban l'endroit exposé la mer pour fort de la ban récif avec ban vague de sud-ouest. L'eau des mètres 50. Sorti en haute mer, je déconseille à soir. Et justement, vous faire bien attention si demain, pour une appli, qui est capable d'avoir une accumulation de l'eau. Marée pour haute, demain, 10h51 et 15h52. Marée pour basse, 21h11 et demain, 9h22. Soleil pour lever, demain, 6h18. Coucher soleil, 18h06. Madame, ici, sa zone là finit ici. Merci à Rochangati qui réalise sa zone là. Passez une bonne soirée. L'Oman, c'est NBC. Au revoir.